Bonjour à tous, alors petite facecam aujourd'hui pour vous raconter la première piscine de Lucie. Donc on est allé là aujourd'hui de 15h à 17h. Lucie elle a 18 mois et c'était la première fois qu'elle y allait parce que ben, avant elle était trop petite, l'hiver j'y vais pas trop à la piscine et ben, après avec le confinement et tout machin, bref. Et là du coup c'est limité à 100, 110 ou 120 personnes je crois, je sais plus, bref. Et du coup, nous sommes allés de bonne heure. On a dû faire la queue une demi-heure. Mais en fait, moi, j'ai Enzo et mon filleul qui ont fait la queue le temps que moi, j'aille à Carrefour pour acheter des couches pour la piscine. Spécialement pour la piscine chez Carrefour qui est pas longtemps. Et parce qu'il y avait déjà du monde, en fait. Donc, du coup, j'ai trouvé les couches. Ouais, les couches, je dis bien. Et en même temps, je vais acheter une bouée. Une bouée exprès pour les bébés, donc où on peut la mettre carrément dedans. Et franchement, c'est au top. Je vous mets une petite photo, mais franchement, c'est au top. Hein. Si vous avez des petits bébés comme ça, c'est vraiment nickel. Au moins, on a les mains libres et tout. Franchement, génial. Bref. Du coup, après arriver à la piscine, bah, Lucie se demandait quoi. Elle voyait les grands bassins à travers les carreaux le temps que je payais et tout. Ensuite, on s'est enfermé dans le vestiaire. Là aussi, elle n'était pas très franche. Je lui ai enfilé son maillot de bain. Après, elle m'a suivi jusque la douche. Arrive à la douche, comme avec le Covid et tout, il faut se doucher avant, se savonner avant, avant d'entrer dans l'eau. Donc, chose qu'on a faite. À la douche, elle a râlé un petit peu, mais après, ça a été. Je pensais pas qu'elle m'aurait laissé mettre son petit bonnet de bain. Et c'est nickel. Et donc, voilà. Donc, on a pris notre douche, on s'est savonné, tout. Hop, on est par dans la piscine. Donc, là, elle regardait bizarre et on est rentré tout doucement dans l'eau. D'ailleurs, c'est Enzo qui a voulu prendre sa petite sœur. Je lui ai dit, ah bon, bah nickel, vas-y, vas-y. Donc, du coup, il a pris sa petite sœur et tranquillement, il a avancé dans l'eau. Au début, elle a râlé un petit peu. Je lui ai dit, ça va peut-être pas aller parce qu'en fait, j'ai Léa quand elle était bébé. La première piscine, elle a hurlé. Mais hurlé, hein. Au moins pendant 5 minutes. Mais après, bon, après, elle s'est habituée. Maintenant, elle kiffe. Enfin, maintenant aussi, elle a 14 ans. Bref. Et donc, voilà. Donc, du coup, on est rentré dans l'eau. Hop, elle chouinait un petit peu. On l'a mis dans sa petite bouée, donc elle ne voulait pas trop. On a dû un petit peu batailler avec elle pour dire de la mettre dedans. Et après, bah nickel, on l'a mis. Elle n'était pas très franche, elle se demandait quoi. Il y avait des, elle regardait tout le monde et tout. Et après, au bout d'un moment, bah, elle a commencé à rigoler, à faire. Après, elle a bien aimé, franchement, se faire balader comme ça dans la petite bouée. C'était génial. J'ai demandé si je pouvais prendre une photo, donc en fait, j'aurais fait un petit passage vidéo en même temps. Mais voilà, ils ont dit non, là-bas on n'a pas le droit, je sais pas pourquoi, c'est débile, mais voilà, on n'a pas le droit. Peut-être pour le droit à l'image des autres personnes ou quoi, mais bon, et je vois bien, il y a des piscines où il y a des youtubeuses que je regarde, ils vont à la piscine, ils peuvent filmer, moi malheureusement je peux pas. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Et voilà, donc du coup on l'a baladé, de temps en temps on la sortait un petit peu de sa petite bouée, nickel. Et, franchement, elle a bien aimé. Et ensuite, à la fin, je dis bon, comme elle commençait un petit peu à grelotter, je l'ai pris, je crois, 10 minutes, 5-10 minutes avant la fin de la séance. Hop, on est allé dans. Ils ont mis un petit pataugeoir où l'eau elle a 32 degrés, je crois, ou 30 degrés, je sais plus. Donc elle est bien chaude. Et là, avant, il y avait des toboggans, des champignons qui jetaient de l'eau, enfin, des petites choses comme ça. Et là, avec le Covid, ils ont tout enlevé. Donc voilà. C'était pas. Bon, moi, ça l'a réchauffé un petit peu. Et à part ça, bah, elle était contente. Là, elle joue encore. Donc, du coup, là, j'ai mon conjoint à faire manger. Bah, à mon avis, ce soir, elle va être KO. Hein. Ça, c'est clair. Donc, bah voilà. C'était une petite vidéo pour vous raconter un petit peu sa première séance de piscine. Et voilà. Il y en aura plein d'autres. Du coup, ouais. J'ai hâte de retourner avec elle parce qu'elle a kiffé. Et au fur et à mesure du temps qu'elle va grandir, de toute manière, ça pourra aller que de mieux en mieux. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker et je vous dis à bientôt. Bye bye.